Hello tout le monde, c'est Silent et on se retrouve sur Binding of Isaac Repentance. Mode hard, Magdatard, c'est parti. Alors elle est très dure à jouer hein. Alors vous appuyez sur ce bouton là et vous foncez sur les gens comme ceci. Et voilà, vous avez gagné les gars. Hop, voilà. Les runs est fini à partir de ce moment là. Dès que vous appuyez sur ce bouton, c'est fini. Non mais vraiment. Je ne déconne même pas en fait. Bon là ok, on a pris cher mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Regardez, hop, on tue ça. On va le tuer normalement parce que là ça commence à devenir un peu flippant là pour la suite. Le petit cube of meat qui va être très bien. Tout ce qui est orbital avec elle de toute façon c'est bien vu que vous voulez vous coller vos mobs. Bah chouette, merci merci. On va récupérer les petits objets qui sont là aussi. Waouh. Ou double waouh. Une salle remplie de cœur. Waouh 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 waouh. Ouais, franchement ce perso il me vend du rêve hein. C'est dingue. Comment je détestais Magda et là elle est passée vraiment j'adore. J'adore. Trop trop bien Magda. From je te déteste, je vais pas voir ta gueule Ok, tu passes quand tu veux. Ah un moment faut arrêter les conneries, c'est trop quoi. Y'a même plus besoin de savoir jouer en fait, j'ai l'impression avec ce perso. On a bien trouvé la première salle secrète, hein, peut-être pour acheter ça serait bien. Là je vois deux endroits possibles. Bon, testons là. Oh, cool. C'est vrai qu'il y a ça qui tombe. Complètement zappé ce truc. Le Reverse Devil, je sais pas ce qu'il fait. Alors. Il doit être par là. Ah. Ok, c'est. Ouais, bon. C'est un peu moyen. On va claquer la carte Joker quand même pour aller voir ce qu'il nous propose, le petit bonhomme. Et bah, le petit bonhomme, il donne du lourd. Hein. Il me donne un peu du lourd là. On va déjà donner des points de vie à lui. Ah, un peu rapace, hein. Un peu rapace. C'est quoi, on va le faire là. Il sera de choper peut-être des cœurs. Je suis désolé, hein, Satan, je te pourris ta salle, mais... C'est pour le bien de l'humanité, t'inquiète pas. Des points de vie, yes. Ah, oh, cool. Ah, de nouveau, on a le premier étage qui est complètement débile là, mais c'est pas possible. Voilà, là, 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 ça veut rien dire, les gars. Merde, faut que je donne les cœurs. Ah, je voulais pas l'acheter. Donne les cœurs. Le problème, c'est que le Soul Earth, il va disparaître là bientôt, donc... J'ai un peu peur de le prendre. C'est chaud. Il part pas le Soul Earth, il part pas. Ah, fait chier. Bon, prenons ça. B
Barre en eau vite, il nous faut des cœurs avant qu'on crève. Hop, prenons ça. Faut qu'on fonce dans la salle toute là-bas en haut, vite. C'est en train de se vider, c'est en train de se vider. Pff. Ok. On a sauvé le truc, c'est bon. Mais on a frôlé une catastrophe, hein. Vraiment là c'était tendu. Et être si bas en point de vie, c'est pas forcément l'idéal avec ce perso. Bon, on va déjà aller acheter des trucs au marchand, vu qu'on a le truc qui permet d'acheter après tout de manière stupide. The Stars, de nouveau. Bon bah. Hermite, c'est le truc qui remplace les machins. Ouais. On va réfléchir, on va réfléchir. Alors. Écoute, on va remplacer. On va peut-être le garder. Ah, ça remplace pas cette merde. Bon ben. Tempi, tempi. Devil, ça c'était The Stars. Ok, on va garder celui-là. Ça nous fait l'effet de la Bible et ça nous donne le pet le séraphin pendant 30 secondes, si j'ai pas de bêtises. C'est pas forcément mauvais. Surtout pas prendre cette merde. Mais ouais, c'est pas. Pas non plus foufou quoi. Le problème étant, c'est que là, pour avoir les pactes et tout le bordel, ça va être chaud désormais. Donc voilà. Je fais littéralement un peu le fou quoi. Mais bon, on a un départ vraiment là très bon quoi. Là, y'a rien à dire. Bien. Même sans abuser des Lethal Hugs là, on peut peut-être tenir la game quoi. Ça c'est la target, mais j'ai pas envie d'avoir la target. Ça. Ah, c'est nul. Attention. Oh là là. Le cup c'est cool. Ah vraiment, il va falloir que je joue de manière nickel chrome quoi. Magician. Profitons de notre contrôlette friend là. What a horrible night. C'est vrai qu'on pourrait rester en War of Babylon, mais à tout moment je meurs en fait hein, donc pas forcément très malin non plus. Attention. Je préfère me soigner puisque j'ai un peu les boules, je vais pas vous mentir. Ok. Ok, mets la mouche dessus, sur des trucs là. Voilà, tranquille, tout est sous contrôle. Achète gratuitement. Ouais, c'est pas cool hein. Moi bon, je les veux moi, donc nick. Ok. Testons la salle secrète. Ça a cassé au moins une flamme, mais non, même pas, ok. Ils sont à 3 cases. On va claquer Magician, je pense, pour nous aider à fight un peu plus tranquillement. Pour cet étage, histoire d'avoir le. Ah, mais le pacte, je vais le refuser en fait. Je veux l'ange, clairement. Il a fait la lettre G. Pour tous ceux qui ont un prénom qui commence par G, voilà, il a fait une dédicace à vous. Quand même gentil le boss. Je m'occupe de la mouche parce que, en fait, lui tirer dessus, je pense que ça fera moins de dégâts. Donc on n'y va pas. Surtout pas. On n'y va pas. Empress Cariat. Ok. Bon, disons que ça me permet d'aller dans la salle là-bas sans prendre trop la sauce.
Bon, après, c'est vrai que j'aurais pu y passer avec des bombes aussi. On va faire ça. Wheel of Fortune, ok, on va la spawn. De nouveau, avec... que ça. On pourrait peut-être essayer de trouver un trinket plus intéressant. Ah, c'est bien, mais il va deplete, donc ça me sert pas à grand chose. Bon. Allez, on se casse. Ah, mais. Ça va rien de refuser le pacte. J'ai déjà pris au premier étage, donc c'est bon, l'enjeu. Il en a plus rien à foutre de ma gueule, à part que si je sacrifie des points de vie. Putain, merde, j'oublie à chaque fois ce détail. Bon, pas un étage ouf, hein, là, pour le moment. Ouf. Allons voir. Ah, ça peut être bien, ça peut aider. Hein. Ah, j'ai galère. Pourquoi j'ai refusé le pack? Je suis vraiment un con, quoi. Mais après, le problème, c'est si je perdais des cœurs aussi, ça aurait rien changé. Mais après, ouais, bon... Même s'il y avait des cœurs obscurs, en fait, ça aurait rien changé, vu que je peux rien en faire. C'est long comme boss. Ok, on va se mettre sur le côté, là. Ah, devant, c'est mieux. Parce qu'après, il y a la mouche qui peut taper avec nous. Fuck it. Fuck it. Oh, la chance. Je sais pas si elle touche la mouche, hein. J'ai des doutes. Hein. J'ai des gros doutes. Ah, LED. Putain. Fuck it. Je veux pas mourir, pas maintenant. Le build est bon, faut que je l'HP up. Aïe 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 aïe. Ouais. On va mettre ça de côté au cas où. On va écouter. Vas-y. Prends pas la tête pour cette salle. On va surtout pas prendre le Yokehurt, sinon ben c'est fini quoi. Ça me fait chier de pas trouver le marchand là. L'item est reload, on a 15 pièces, faut vraiment qu'on le trouve, histoire de peut-être trouver un truc intéressant. Parce que là, ça sent la merde. Ah que oui, ça sent pas très bon les gars. Ok, putain c'était risqué mais j'avais pas le choix, à un moment c'est bon, y'en a marre quoi. What the fuck, mec? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, putain? Oh, je capte rien, les gars. C'est n'importe quoi, cette run, aussi. C'est quoi toutes ces cartes de folie? Allez, s'il te plaît, sol doré. Du lourd. Je t'en supplie, on en a besoin, là. On a un gros coup de main. Ah, la pièce de 10 là, tip top quoi. Ah non. Ah non. Bon ok, on fait déjà l'étage normal. Je pense que j'ai claqué Devil. Histoire de pouvoir voler, avoir le Séraphin avec moi.
Ah, c'est marrant parce que vu qu'il repasse au même endroit que moi, le buddy il met les larmes aussi. C'est cassé. Oh yes. Oh putain. Bonheur. Ok, il me faudra plus d'HP up maintenant. Attends, mais c'est pour tout le reste de l'étage? Je vole pour tout le reste de l'étage? Ah non, c'était vraiment 30 secondes, voilà. On peut aller là-bas dedans du coup. Ah, vraiment bien ça. Regardez le buddy, ouais, vu qu'il repasse sur mes larmes. Ah, il les met tout à double. C'est trop bien. Ah, de nouveau, mec. Ah, ce jeu, putain. Bon, allez, on va prendre notre tier cart. On va se mettre en The Lost et on va faire l'étage reverse pour choper peut-être un petit HP supplémentaire sur le boss. Hein. On espère. C'est tout en bas, je crois, les flammes blanches. Hein. Mais, what? Tout en haut? Je suis vraiment débile à ce point. Ah, le con. Vous savez quoi, on va essayer de faire la Mother. Vu que je vais chercher le couteau quand même, là. Bon, là, on doit le tuer normalement, du coup, on déconne pas. J'aurais pu me mettre en The Lost, en fait, avant de... Ouais, ça aurait été plus intelligent. C'est pas grave, ça va bien se passer. Ok, occupe-toi avec la mouche, là. Ça va le fumer, tue les larves, tranquille, voilà, voilà. Le boss. Tac. Ok. J'ai eu tellement peur. HP up, s'il te plaît. Oh, HP down et toutes les autres stats qui montent à part la lock. Et j'ai un Yoke Hurt, les gars. Ah, putain, ça sent pas bon, là. Là, ça pue la grosse merde. Ah, je vais même pas prendre des Soul Hurt potentiel. Oh là 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 là. Je vais pas aller chercher le deuxième couteau. J'ai pas de bombe, en fait, maintenant que j'y pense. J'ai pas de bombe. Ok, je peux. Ah putain, les gars, ça va être tellement dur. Il va falloir que je joue de manière nickel chrome pendant tout l'étage, quoi. J'ai pas le droit de prendre un seul coup. Ah, je pense que cette run on l'a niqué, les gars. On a fait vraiment tous les greedy cons là. Les pactes, ils ont fait trop mal d'entrée. Ouais, je pense que faut refuser le petit Satanus et partir plutôt sur l'ange avec ce perso. Ce serait plus intéressant. Allons quand même voir, on sait jamais, c'est des HP up, non. Bon, allez. Ça va le faire. Tue-le avec la mouche. Tue-le avec la mouche, lui aussi, là, sans reculer. Mais aucun dégât, la mouche. Ok, une clé qui est tombée. On est pas loin de la salle dorée. Allongé à la salle dorée, peut-être qu'il y aura du lourd. Ah, je l'ai pris dans la gueule. C'est pas grave. C'était le grid de trop, les gars, là. On avait peut-être un petit peu trop abusé. Un petit peu trop abusé dans cette salle. Enfin, dans cet étage. Oula, dans cette run plutôt même, on dirait. Ok. Je préfère quand même quand je peux foncer dans l'état, c'est plus cool. Ouf. Ouf, c'est fort. Oh putain, c'est tellement fort avec ce perso. Ah. Minor stat upgrade à chaque fois que je prends un cœur, les gars. Ah. Oh mon dieu, c'est cassé. C'est
complètement con, les gars, mais... Ce perso, mais Alan, nerfez-le. Oh, je l'ai pas eu. Pas mourir correctement, hein. Ah bah. Fais le malin, quoi. Pouah là 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 là, le Minor Stat Upgrade, il va faire tellement du bien, les gars. Putain, c'est incroyable. De nouveau, hein, je le répète, hein, mais y a rien qui va sur ce perso. Just nerf Magda, quoi. On peut plus la gérer, c'est beaucoup trop fort là. Ah merde, t'es caché là. Ah, j'étais là, bon allez, on va récupérer encore des petits cœurs. J'étais en train de me frotter les mains, mais non. Je m'a dit, pshht, tu t'arrêtes. Et j'ai dû accepter. J'ai dû dire ok, pardon. Je pensais que c'était autorisé, mais non. J'étais pas au courant. Allez, on rush vite, histoire de pouvoir abuser un peu encore de Lethal Hog, comme dirait l'autre. Par contre, faut que j'arrive à ramasser les cœurs à la chaîne, hein, du coup. Histoire vraiment d'en abuser de tout ça. Pff, oh là 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 là, les gars. Ah, faites-moi des dégâts. Ah non, mais... Crevez en vous prenant des coups, pas autrement, quoi. Non, mais non, mais... Oh là 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 là, le cœur éternel. Enfin, le Soul Heart qui tombe. Je veux pas de Soul Heart. Voilà. Expose-moi les points de vie, s'il te plaît. Ça me fait plaisir de me faire exploser les points de vie. Allez. C'est tellement con, les gars, c'est juste trop con ce perso. Vous vous rendez compte de mon gameplay là, je leur rentre dedans. Point, ça va pas plus loin, quoi. Oh bah non, tu veux pas. Bah écoute, c'est giga fort, on va pas refuser ça quand même. Purée, les gars, je capte pas. Le pauvre Pin. Il me saute dessus, il comprend pas, il se prend un gros coup dans la gueule. Ah, ça c'est pas ouf, mais bon. Juste pour les cœurs, ouais, ça vaut la peine. Par contre, j'ai refusé le pacte en sortant sans faire exprès. J'ai été trop vite. Mais de toute façon, on a dit qu'on voulait l'ange, donc non, c'est bien. C'est bien ce que j'ai fait. Je veux l'ange. Bon ben voilà, voilà pour cet âge, c'est pas mal je trouve. On va aller là. Paf, paf. Ah merde, je peux pas le récupérer parce que c'était le cœur. Le cœur squelettique qui est parti. Il a fait allez salut, hein, c'était cool, merci, au revoir. Ah non, ça c'est nul, ça c'est vraiment nul par contre. C'est ridicule, je ferai pas l'étage reverse, hein, par contre, c'est trop risqué. J'arrive à rien prendre, ok. Je vais faire une infinité en fait de stats. C'est nul.
Tac. Mais regardez les dégâts que j'ai déjà. Oh, j'avais même pas checké et là je viens de voir. Oh mon dieu, mais c'est... Game de clown quoi. C'est dingue, franchement je... HP up. Ah ça fait un vrai HP up. Bon, je sais pas si c'était vraiment nécessaire mais ok. J'ai une clé. Je vais prendre le Sacred Heart quand même je pense hein. C'est beaucoup trop fort hein. Ah, c'est l'Immaculate, my bad. Ça y ressemble, les gars. Vous allez pas m'en vouloir. Oh, oh là là, tous les soldats qui tombent. Mais what the fuck, je. J'ai pas de bombe, j'ai pas de clé par contre. À l'aide! Le jeu! Bon, c'est pas comme si j'avais besoin. J'ai stat infini quasiment, donc bon. J'avais dit que je voulais aller à la mom hein, quand même hein, donc est-ce qu'on ferait quand même pas ça quoi. Allez on fait le reverse. Je sais pas où elle était la transformation. Là juste à côté donc cool. On essaie de jouer correctement quand même hein, parce que là ça ne rigole pas. Normalement avec les dégâts qu'on a là ça devrait le faire. Oh, c'est vrai que je peux continuer de me soigner même en reverse parce que je perds des points de vie au fur et à mesure. Oh c'est tellement con les gars. Surtout pas se faire toucher, hein, sinon c'est la fin de la run là. Ouais, bah réduis-moi, de toute façon ça va augmenter très vite. Hein. C'est vraiment ça quoi. Ah bah non, elle se grille toute seule, elle est conne. La larve. Ah mais il me faut deux bombes pour aller de l'autre côté. Bon là je peux pas, mais peut-être après je pourrais. On va attendre que ça réduise les points de vie. C'est très important. Avant de passer à la salle suivante. C'est un secret. Ah, c'est vrai que là, y a rien. Très bien. J'aurais pu récupérer ces trucs en volant, en fait, maintenant que j'y pense. Ça me revient à l'esprit, là, ce genre de conneries, maintenant. Oh là 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 là. Please, please. Ah, il disparaît pas. Ce qui est bien quand on a les Star Alert, par contre, c'est que ça consomme d'abord les cœurs. Ah merde, les cœurs rouges avant de consommer les Star Alert. Donc tu peux quand même les garder en mode protection. Hein. Mais après, quand tu te mets à foncer dans le tas, bah, tu... c'est les premiers qui partent. Parce que bah forcément, tu es en mode bourrin en train de foncer partout. Mais ouais, du coup, j'aime bien. Franchement, le perso est. C'est de la folie quoi, c'est juste de la folie les gars, y a pas d'autre mot, c'est... Nerf, when quoi. Hop, hop. On ouvre cette salle dorée. Le larynx, ça fait très mal, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir des dégâts? Non, donc on prend ça, ouais c'est même mieux je pense. Ouah là 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 là, ça me fait un mal de tête tellement c'est n'importe quoi. Bon, on a une mission de trouver... Deux bombes. Est-ce qu'on en aura une ici? Non. Ok, étage suivant. On économise nos bombes, monsieur. Avez-vous compris? Tout à fait, tout à fait. Catacombs 2, donc j'ai qu'une chance. Hein. C'est là ou jamais, hein, en gros. Vu qu'il y a tout qui se vide au fur et à mesure, de toute façon. Bon, bah merci. Dire, le mob a même pas essayé, quoi. Ah, mais j'ai... Vide mes cœurs rouges. Enfin, vide mes Star Alert. M'en fous. Enlève les Star Alert. Enlève. Pourquoi j'ai un cœur squelettique qui vient d'apparaître?
What game? What does this mean? What? Ah, c'est It's Brittle, je crois qu'il a fait ça. C'est pas mal. Oh lol. Oh, j'en peux plus. C'est n'importe quoi, les gars. Ah, oh, putain, j'en peux plus de cette run. Alors, je vais pas perdre mes petits cœurs là. Ils sont très précieux. C'est de les protéger le plus possible. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Hein. Non, this is more fun with this one. Ah oh, putain de merde. Ah merde. Dommage. On va peut-être perdre un cœur ou deux. Bon après je peux essayer de tuer les ennemis de manière normale. Pour cette salle. On a clairement assez de dégâts, hein. On n'a pas besoin de Lethal Hugs déjà là. Ah, il s'en est allé. Le petit cœur brittle nous a quitté. Et à son âme. Bah écoute, de toute façon on va tout prendre, hein, je pense, on va même pas réfléchir. Ah non, le Soul Heart. C'est vraiment ça, t'es là. Oh non, c'est trop nul. Pourquoi j'ai un Soul Heart? Qui m'a donné ça, quoi? On m'a maudit, quoi. Bon, allez, on va ouvrir ça. Coucou. Ok. Oh là là, les stats, les gars, les stats. Ça... À un moment, faut que ça s'arrête. C'est trop, quoi. Ah, je suis en train de dire, merde, il me faut deux bombes. Bah, j'en ai une infinité en fait. En vrai, j'aimerais bien pouvoir faire méga Satan avec ce build. Vraiment, j'aimerais beaucoup, mais là. Je pense pas que ça va être possible, hein, du coup. The Lovers. Oh. Mettre full life. Yes. Coucou. Mais je peux faire méga Satan. Si je tue les anges. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ah non, tu perds pas ton cœur, hein. Tu perds pas ton cœur, Silent. C'est dingue, c'est vraiment. Écoute, on va aller par là. Et si on arrive à choper un ange à nouveau, eh ben on switchera à Mega Satan, peut-être. Je sais pas, je sais même pas si ça vaut la peine en fait. C'est... La run, je peux faire ce que je veux, les gars. Littéralement, je m'en bats les couilles là. C'est. On est godlike, quoi. Sont méchants les ennemis de rentrer dedans comme ça. Moi je suis gentil, j'essaie de leur faire des gros câlins les gars et ils me font du mal quoi. C'est vraiment pas cool. Bah tu sais quoi tant pis pour le cœur, c'est pas grave. On prend, on fait sauter.
c'est dingue. C'est vraiment dingue, cette run. Et voilà, je suis content. Par contre, faudra se remettre full life, mais ça va le faire. Il avait drop un cœur, mais c'était de l'autre côté, je l'ai pas vu. Et là, ça casse un peu les couilles. On a perdu nos cœurs de protection, mais c'est pas grave. Il y a un cœur là-bas sur le chemin. Donc vous inquiétez pas, tout est sous contrôle en gros. Je prendrais bien ça. Beaucoup. On a zéro livre. Bon, en prenant ça. Oh là là, speed shot, trop bien. Le bordel à l'écran, c'est parti, les gars. Ah, bon bah. Je vais quand même récupérer ça. Fichier les dégâts, mais c'est pas grave, on va se remettre full life, vous inquiétez pas. Faisons déjà le boss. MDR. Il a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On prend ça, comme ça spawn proc. On a fait tout ce qu'on voulait à l'étage. Est-ce que les stats continuent d'augmenter? J'ai pas fait attention en fait. Je pense que oui, mais... Ah, c'est dingue, hein. C'est juste dingue en fait. On a notre clé, bah go méga Satan, hein, écoutez. Lol. On a des pilules full health, c'est pété. Oh là 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 là, les gars, je... Incroyable ce perso, incroyable. Y a pas d'autre mot, franchement, c'est beaucoup trop fort. Non, les stats, elles ont arrêté d'augmenter. Le jeu s'est dit au bout d'un moment, ouais, y a peut-être une couille là. Regardez sa cadence de tir là. Avec les split shots. Ma ramming speed, let's go. Hein. Alors, on va récupérer ça. Ah non, ça continue d'augmenter. Mais ça continue. Mais. Ah, c'est juste que quand ça touche l'attaque speed ou peut-être l'attaque, c'est déjà tellement à fond que ça augmente plus. Faites-moi des dégâts, faites-moi des dégâts. Mais je... Il me tape plus les mobs. Hit me. Mais non. Câlin. Non. Non. Ouais, il y a la lock qui augmente, il y a la range, enfin la shoot speed up. Je pense que c'est juste l'attaque speed qui est à fond et 2-3 autres trucs quoi. Prends ça. Prends ça. On check ça. Magician. Le reverse magician, j'ai jamais eu. Non, j'ai jamais eu, qu'est-ce qu'il fait? Magician, magician. Alors. Ok. Ok. Bon, ça peut être marrant. Ça fait une aura qui renvoie un peu les projectiles, de ce que je comprends. Bien pouvoir voler en fait pour récupérer encore les cœurs plus facilement. Oh, il est trop mignon mon pet. Il a plus de tête, il y a une larve qui a pris sa tête. Regardez là.
Il est so cute. Bon. Paula, on va vite voir ce qu'il nous donne lui. On prend. On va faire le boss rush du coup. On va prendre la Psy Fly et puis let's go. Le one shot. What the fuck les gars. Non mais vraiment c'est le but le plus pété de toute ma vie. Je crois que là on a atteint une nouvelle connerie. Mais qu'est-ce que quoi, Magda? Qu'est-ce que t'as fait, Magda? Je suis legit choqué par Magda. Elle me fait peur désormais. Ah, Magda, elle a pas le droit de venir à la maison, elle est trop dangereuse. Oh, le petit. Je suis vraiment. Mais mec. On a presque tué tous les boss. Magda, qu'est-ce que t'as fait? Regarde ta tête. Waouh, je suis legit choqué les gars. Juste aller tout droit. La run elle est finie quoi. Regardez-moi ce truc. Ils ont aucune chance en fait. Mais... What? J'ai plus rien à dire en fait. Y a tellement de trucs que ça fait ramer le jeu. Et ces stats, elles continuent d'augmenter, quoi. Mais... C'est un fucking monstre, ce que je viens de créer. Il a le temps de rien faire, le boss. Il était là en mode, ah bah, ça a l'air vraiment cool, ce qui se passe. Bon. Wouah, les gars, faut que... Ah ouais, Magda, mais qu'est-ce que... T'es cassé! Non mais c'est illégal! Je capte pas. Franchement, je capte pas comment ils ont designé ce perso et ils se sont dit que ça allait. Y'a rien qui va. Bon bah merde hein. Est-ce que je dois commenter encore quelque chose en fait? Non mais les gars,
C'est quoi? Putain, Magda nerf. Oh mon dieu, ce perso, il est flippant. Alors, on doit être par là-bas, je pense. C'est censé être une salle un peu chiante, hein, ça, de base, hein, je précise quand même. Pour ceux qui se posent des questions. Eh bah si j'arrive à faire un build pareil avec Jacob Tainted, bah franchement, waouh, je... Je sais pas ce que je fais les gars, mais... Waouh, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais en fait, mais... Waouh, c'est une dinguerie. Je suis juste désolé en fait, je suis juste désolé. J'ai pas choisi le... Oh là là. Les yeux, je sais pas ce que ça va faire, ça va peut-être me liquer mon build, donc non. Choqué les gars, y a pas d'autre mot. Littéralement choqué quoi. Magda a pris des hormones mais fois 1000 là, c'est pas possible d'être autant bourrin. Le boss qui pensait avoir une chance, et non. J'ai appuyé sur un bouton et boum, il a disparu. Ok. What, mais what? Le méga Satan, il va pleurer, hein. Ah, il va vivre son meilleur jour, là, littéralement. Le mégaston il va être en mode qui ose me défier? Ha, toi jeune imprudent. Ok pardon. Putain mais c'est dingue. On a 48 en damage les gars, 48 quand on est full life. Presque 49. Psst. Non, ça va être trop violent hein. Vous êtes pas prêts? Je suis pas prêt de voir ça en fait. Je suis pas prêt. Ok, je suis un peu le con. Lol. Est-ce qu'il a fait une attaque en fait? Je sais même pas s'il a fait une attaque. Je me colle à lui en fait. Je comprends pas. Les gars, je... Mais Goodelli, mais dites... On a débloqué le Queen of Hearts. Pfff, ouah, les gars, c'est... C'est trop, hein. C'est juste trop. Oh putain, le jeu...
Le jeu qui était en PLS cosmique, il disait ah, y'a trop, je veux mourir. Y'a son dessin. Ah. Dommage, je l'aurais pas fait vu qu'il y avait pas de boss, mais là, vu le build, ça prend une seconde à clear une salle, donc est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Non, vraiment pas quoi. Waouh, c'est trop, c'est juste trop quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars, c'est franchement choqué. Oh là 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 là. Et j'ai bien fait de pas prendre les yeux, ça allait faire bugger encore plus mon jeu à force de me faire des projectiles qui restent du coup, ça aurait été encore plus bordélique je pense. Vu que déjà le jeu il a du mal à suivre là avec ce qui se passe. Non mais visuellement, vous avez vu la connerie que c'est quoi? J'en ai rien à foutre de ce qui se trouve dans la salle en fait, je fonce juste, je tire et voilà hein, c'est... Merci, bonjour, au revoir. Waouh. J'aurais peut-être pas dû le prendre, maintenant tous les autres items ils risquent d'apparaître comme ça là. C'est pas grave, on va s'y faire. MDR. Beelzebub, let's go. Wow, les tâches des rimes le plus facile à faire en fait. Oh, ça rame, ça rame. Wow, le jeu en PLS. C'est dingue. Ouais, cache-toi sous terre, hein, t'as mieux temps, hein, parce que là, vu ce qui t'arrive dans la gueule, je comprends. Bon, vas-y, ça peut être marrant. Tellement une run qui veut rien dire que ça sera forcément bien dans le build. Oh mon dieu. Oh. Ah non, c'est trop bien, on va le garder. C'est le bordel absolu. Oh mon dieu. Mais tout l'écran, il est aspergé instantanément, quoi. Oh, c'est pas grave. Sans les récupérer les cœurs. Alors sans le vouloir, ce sera le dernier boss. Bah, c'est parfait.
Full build daily. Combien de secondes tu me tiens? Ah, pas long, hein. Pas long du tout. Ce perso, il est cassé, les gars. Y a rien à dire. Tainted Magna, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont pensé quand ils ont créé le perso, mais... Y a rien qui va. Y a rien qui va, franchement. Regardez déjà tout ce qu'on a fait. What? 3 runs et je peux... Non, 4 runs et je peux avoir tout fini. Dingue, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Ultra god tier là, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est inarrêtable cette merde. Inarrêtable. Likez, partagez, commentez comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une run avec Magda, le perso le plus cassé du jeu, je suppose. Allez, ciao ciao les gars.